Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le devoir que le pasteur nous avait donné l'autre jour, vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez? C'était un devoir simple. C'était juste de prendre la Bible et de lire la bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, alors le Seigneur vous donne l'occasion de pouvoir écouter ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix, car c'est la puissance de Dieu pour moi qui écris. Chose impossible. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible.
l'esclave du péché. Merci vraiment du fin fond de notre cœur, mon roi. Nous te rendons les honneurs qui te sont dus. La gloire, Père Tubissant, te revient encore aujourd'hui. Merci vraiment pour ta bonté, ton amour à notre endroit, bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai, chose impossible, mon roi, mais tu l'as fait, Seigneur. Pour qu'aujourd'hui encore, nous puissions élever nos voix devant ton trône de grâce, mon roi, pour exalter ton Saint-Nom encore, pour toutes les merveilles que tu as accomplies pour nous, Seigneur. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, Seigneur Dieu, de tes compassions à notre endroit, Seigneur Dieu. Tu es vraiment un Dieu bon, mon bien-aimé Père Tubissant. Et la Bible dit qu'il ne laisse pas nous pardonner, bien-aimé Père Tubissant, Dieu. Mais sois béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour la joie que tu mets dans nos cœurs encore, Père Tubissant, pour te chanter des chants des Sion. Mon bien-aimé Père, ce soir encore, nous sommes réjouis encore de ta présence encore, bien-aimé Père Saint-Dieu, en chantant les chants des Sion pour ta gloire à toi, mon sauveur. Sois donc béni et sois exalté encore pour tes compassions. Père Saint-Dieu, merci pour chaque antique, merci aussi pour les enfants qui ont chanté, pour chaque frère, pour chaque soeur, Père Saint-Dieu, pour la reconnaissance, pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous, mon sauveur. Oh, tu es vraiment bon pour nous, mon Père. Mon âme te loue encore ce soir, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, pour le souffle de vie encore, la grâce et la joie de voir nos bien-aimés frères et sœurs que tu nous donnes la grâce d'avoir, d'être dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour notre frère Yvon, Seigneur Jésus, l'avoir ramené parmi nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour le voyage qu'il a parcouru là-bas depuis le Canada, Père Saint-Dieu. Ce n'est pas facile, mon bien-aimé Père Tubissant-Dieu, mais qu'il soit béni, Père. Que tu sois béni pour ce que tu as fait pour nous, Père. Nous sommes heureux de pouvoir l'avoir parmi nous, Père. Oh Dieu, merci pour ton amour, pour ta bonté, Père Tubissant, ta grâce aussi à notre endroit, pour tous les saints, Père Tubissant Dieu, ton peuple à toi qui est rassemblé ici, bien Père Dieu, ceux qui sont en connexion à différents endroits, mon Père, nous t'aimons, mon Seigneur Jésus. Merci, merci du fin fond de notre cœur pour tous les bienfaits que tu nous accordes, bien Père Saint-Dieu, pour les guérisons que tu as, bien Père Dieu, pour les délivrances, bien Père, pour les bébés que tu donnes, bien Père Saint-Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour oh, la délivrance, Père Tubissant, que tu accordes davantage, mon roi. Nous croyons en toi et nous nous réjouissons, bien Père Saint-Dieu, pour tes bienfaits. Sois donc béni, exalté. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père Saint, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pouvez m'aider pour le micro, parce que je crois qu'il y a un problème, il est toujours très bas. Et encore, s'il faut monter un tout petit peu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes toujours heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur, notre Dieu. Et nous le rendons gloire et honneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il nous accorde comme soutien et les secours. Il exauce aussi nos prières. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère Ivo. C'est une joie de pouvoir t'avoir parmi nous. Ce n'est pas facile de pouvoir parcourir de différentes distances, effectivement, dans le vol jusqu'ici, et pour que nous puissions avoir cette communion autour de la parole de Dieu. Et Dieu bénisse richement. Amen. Félicitations aussi, non? Comme grand-père, non? Que Dieu te bénisse. Nous réjouissons encore davantage pour tout ce qu'il nous accorde comme soutien. Et parce qu'il ne nous a jamais manqué de rien. Oui, le Seigneur, notre Dieu, ne nous a jamais laissés seuls. Il a toujours pourvu pour tous nos besoins. Même quand nous n'avons pas du travail, nous mangeons. Nous n'avons pas de maison, nous dormons quand même quelque part. Frères et sœurs, soyons reconnaissants. Ne soyons pas comme des muets, mais on doit lui dire merci. Parce que dans tout le problème que nous avons toujours eu, aucun pour nous a submergés dans le fond. Chaque fois que les diables voulaient nous submerger, alors Dieu nous donnait le bouet de sauvetage et nous sauvons. Oui.
Nous devons lui être reconnaissants en dessous. Quand nous sommes malades, il nous guérit. Malgré tout ce qu'on peut avoir de bobos, il nous guérit. Donc soyons donc reconnaissants à notre Dieu pour son amour et sa bonté à l'endroit de tout un chacun de nous. Je ne vois pas les sujets pour lesquels je peux murmurer. Même si je boite, je les louerai encore. Je ne murmurerai pas, je lui dirai merci Seigneur, parce que tu as fait quelque chose de très important dans ma vie. Tu m'as vraiment délivré. Je sais que ce corps ici, il ne me sert que pour un temps. Ah oui, ce n'est qu'une couverture comme une veste que je peux enlever. Mais je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu m'as donné. Tu as fait de moi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alors pourquoi me plaindrais-je dans ma vie? Tous les jours de ma vie qui passent, ce que je dois simplement dire, c'est me référer que Dieu te bénisse. Comme les apôtres qui ont même été flagellés, ils ne se sont pas plaints, mon Seigneur. Ils sont mis à genoux pour te glorifier encore et donne encore davantage pour que ton nom soit glorifié. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons effectivement aussi la grâce de pouvoir être instruits par le Seigneur lui-même. Parce qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de pouvoir réellement aussi reconnaître en réalité aussi la bonté de notre Dieu dans notre vie de tous les jours. Pas toujours voir des difficultés, mais toujours voir aussi, avoir les yeux pour être sur ce que Dieu a fait de bien pour nous. Pour lui dire merci Seigneur, parce que si tu ne m'avais pas soutenu aujourd'hui, je ne serais pas debout. Là, si je suis assis aujourd'hui, c'est par ta grâce. Donc, laissons des bobos à côté, glorifions Dieu, voyons les bonnes choses qu'il a fait pour nous, alors nous chanterons la grâce. Chose impossible, mais il a fait. Comment ne pas les glorifier? Il a fait. Il m'a libéré, il m'a délivré. Alors je ne peux que quand je me lève le matin, oh, avant que le soleil se lève, pour lui dire combien tu es bon, pour chaque chose que tu as fait pour moi. Parce que dans la journée aussi, il fera de bonnes choses aussi pour vous aussi. Qu'il soit donc exalté pour sa fidélité, parce qu'il reste fidèle à sa parole, à ses promesses. Malgré, effectivement, notre infidélité. Nous le louons parce qu'il nous soutient. Oui. Chaque fois qu'il nous donne la grâce de pouvoir entendre sa parole, et quand nous avons une très bonne disposition, la parole de Dieu trouvera toujours une place au plus profond de nous pour qu'elle nous aide, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Rosalie, pour qu'elle nous aide encore davantage à tenir ferme à résister contre les tentations, à pouvoir nous conformer à ce que lui dit, parce que nous nous réjouissons de ce que, quand nous faisons vraiment la volonté de Dieu, on fait, ah. Oui, c'est parce que c'est ce à quoi le Seigneur, notre Dieu, nous a destinés, parce qu'il dit que vous avez encore besoin de la persévérance, persévérons. Nous en avons chanté, non? Nous étions tellement heureux. Hein? Et c'est ce que nous devons faire. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc... C'est ce que Dieu te bénit. C'est ça que nous avons besoin, Seigneur, et de nous obtenir cette promesse-là. Nous y accrochons tellement. Il n'y a pas de valeur à pouvoir. C'est-à-dire que ça, c'est plus... Il n'y a même pas... On ne peut pas quantifier ce que nous attendons. C'est inquantifiable, en fait. C'est inquantifiable. Donc, ce que nous attendons, on peut tout vendre, même sur la terre, effectivement, parce qu'on veut le recevoir. Qui voudrait manquer? Qui chercherait à manquer ces moments-là? C'est personne, ma bien-aimée. Parce que quand nous pouvons regarder, observer, effectivement, ce qui se passe maintenant sur cette terre, je pose la question quand même, sincère. Soyons un peu sincères. Je pose la question, parce que chacun de vous, quand même, doit être sincère aussi. Hein? Bon, est-ce que chacun... Bon, est-ce que vous aimeriez vraiment vivre éternellement sur cette terre comme ça? Tu n'as même pas terminé la phrase. Hein?
Parce que je ne crois pas que quelqu'un parmi nous ici aimerait passer son éternité ici, dans ces conditions-ci. Alors nous devons avoir l'empressement de dire, Seigneur, viens. Oui, peu importe les projets que je peux imaginer, Seigneur, si tu peux venir demain, je serai heureux. Ah oui, 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 oui. Je veux quitter cette terre. Je veux quitter cette terre. Vous savez, c'est merveilleux de pouvoir réaliser que nous avons ces désirs, mais Dieu nous accorde effectivement. Il a lu tout à l'heure qu'il vous donne ce que votre cœur voit. Alors, notre désir est de croire ici. C'est là le problème. C'est ce qui est notre désir. C'est la question de pouvoir savoir quel est ton désir en fait. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui en fait que Dieu te donne. Vous voyez ce que Dieu nous montre effectivement. Il est toujours bon pour nous en fait. Il fait des choses, mais c'est vraiment un père véritable pour chacun de nous. Pour ses enfants. Ah oui, vous savez. Tout à l'heure en venant, j'ai eu en fait une vidéo qu'un frère qui était aux États-Unis qui m'a envoyée. Je crois que je vais donner au docteur. Il est là, il n'est pas là. Docteur, et à frère Emmanuel, de pouvoir, oui, vous donner la possibilité de pouvoir le voir. Peut-être que je ne le raconterai pas tellement bien, mais je veux que vous puissiez le voir vous-même. Et ça m'a touché le cœur. Et j'ai dit, Dieu est vraiment grand. Mon frère, c'est quand même extraordinaire. Voilà que c'était sur l'autoroute. Et les voitures circulaient effectivement aussi, c'était aux États-Unis en fait. Et ça, c'est une réalité, ils ont pris ça en vidéo, vous allez le voir vous-même aussi. Et voilà, ils ont vu en fait, une biche. C'est ça, hein? C'est comme une biche et soupire après et courant tout. Hein? Vous connaissez, non? Chacun de vous connaît une biche, non? Vous allez le voir, peut-être que je vais me tourner, mais c'est ça, je crois que c'est une biche. Oui. Elle est venue, elle s'est mise au milieu de l'autoroute. Parce qu'ici, à côté, il y avait le bois, l'autre côté, il y avait le bois. Les voitures venaient, elle s'est mise là. Elle n'a pas fui. Elle s'est mise là, au milieu, comme ça, donc se mettant comme ça, barrant la route de ceux qui viennent ici, ceux qui viennent là-bas. Et les gens sont venus, en fait, les voitures sont venues, se sont arrêtées. Et ne bougeaient pas. Vraiment, bougeaient pas du tout. Et maintenant que, voilà que, un chauffeur qui est quand même sorti, qui est venu vers cette biche-là, il n'a même pas fouillé, mais il était à grande, hein? c'est pas un fond, ça doit se passer en ce temps. Alors, grande, était dans cette, je crois que c'était cette taille-là, comme ne bougeait pas du tout. Et le chauffeur vient, il descend sa voiture, il vient, l'animal ne fouille pas. Alors, à un certain moment, quand l'animal a vu qu'effectivement que le monsieur, donc le chauffeur, était descendu, il a son attention. L'animal maintenant sort de l'autoroute et il le regarde pour que lui le suive. Oui. Et maintenant, quand il a vu que le monsieur le suit, il continue à avancer un petit peu. Et puis quand il est avancé, il avance encore un peu plus loin. Le monsieur le suit. Et il le conduit un peu plus loin dans un autre endroit. Le monsieur le suit. Et puis quand il est arrivé, il a commencé à tourner. Qu'est-ce qu'il montrait vraiment, monsieur? Il avait sa petite, son petit, hein, qui était donc, qu'il avait mis au monde, mais qui était enlacé dans un filet de football. Vous voyez le filet là, que les enfants jouent dedans. Coincé là donc. Il s'est battu pour sortir. Il ne pouvait pas sortir. Donc elle ne pouvait pas parce qu'il n'a pas les mains pour pouvoir retirer le filet. Donc il a conduit le chauffeur. Les voitures étaient restées là-bas. Il a conduit le chauffeur jusque là pour lui montrer l'endroit. J'ai la vidéo, je vais vous montrer. Et le chauffeur, quand il a vu ça, il a couru, il a commencé à pouvoir, parce qu'elle, maintenant, quand vous voyez, pendant que le chauffeur se venait vers son petit, il commençait à pouvoir tourner autour, venait, et puis jusqu'à ce que le chauffeur a eu à pouvoir délier donc le petit. Le petit a donc couru vers sa maman, et il a fui maintenant pour aller vers le bois, effectivement, pour rentrer dedans. Maintenant, le chauffeur rentre dans sa voiture pour partir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la même biche qui sort de la forêt, qu'il vient juste se mettre devant sa voiture. Il regarde encore comme ça. Et puis, après l'avoir regardé, la biche tourne la tête pour appeler sa petite, son petit là qui était donc enlacé là. Le petit sort. Ça, c'était émouvant.
Le petit vient juste devant la voiture du monsieur. Et le petit fait quoi? Il s'incline. Je vous dis, j'ai vu ça moi-même. Il se met les pattes par terre comme ça pour dire merci au monsieur. Oui, je veux, vous allez voir la vidéo. J'ai dit, mon Seigneur, un animal avec son petit, il dit, mon petit ne va pas, viens dire merci au monsieur qui t'a sauvé. Un animal sauvage. J'ai dit, Dieu du ciel, à combien plus forte raison nous. Non, cette vidéo, vous allez la voir. Je vais demander aux frères de pouvoir vous l'envoyer. J'étais étudié, mais vraiment, je vous dis, mes petits, donc, qui est né quelques temps, donc un petit peu, je pense. Il vient devant le chauffeur, parce que sa maman fait comme ça, elle fait tout comme ça, et puis le petit vient, et il se tient là comme ça, et puis il s'incline avec ses pattes, il met la tête par terre. Et les chauffeurs descendent de la voiture, lui caressaient la tête, il ne bougeait pas. Quand il a terminé, le petit avec sa maman sont partis. Dieu est bon. La nature, c'est impressionnant. Donc on doit comprendre que la nature comprend des choses. Les animaux et tout ça, c'est aussi nous. Nous sommes dans un temps particulier. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons lire dans le livre des Thessaloniciens au chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1. Il nous dit... Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire merci. Et c'est vrai, quand on voit la nature, combien, Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous pouvons être touchés d'entendre ce témoignage, mais ça nous instruit aussi. Parce que tu es vraiment Dieu, mon Sauveur. Oh Dieu, c'est vraiment époustouflant, c'est extraordinaire. Mais tu es roi dans ta manière de pouvoir faire les choses, Père Saint-Dieu. Tout obéit, Père Saint-Dieu, et tu nous instruis par ta mission. La nature aussi, la Bible est écrite dans la nature. Et sois béni pour cela, Père. Merci pour l'écriture que nous venons de lire, mon roi, que tu nous aides encore ce soir. Je te remercie encore pour ton peuple rassemblé en ces lieux, et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits aussi, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue pour cela. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il s'agit effectivement d'une parole, comme on peut l'entendre. Et beaucoup de gens peuvent lire effectivement dans différents endroits, ou différentes églises et dénominations, effectivement aussi différents lieux où peuvent lire. Mais regardez très bien, comme l'Écriture nous fait savoir, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Alors, cette écriture ne s'adresse pas à tout le monde, en fait. C'est là qu'on voit la bonté et l'amour du Seigneur, notre Dieu, et la compassion qu'il a aussi, effectivement, à l'endroit de ce qui lui appartient. Jamais le Seigneur, notre Sauveur, ne pourra laisser ceux qui sont à lui dans une position aussi difficile et mauvaise. Non, parce que Dieu veillera toujours sur ceux qui lui appartiennent. Le plus important pour vous et moi, c'est ici, mon frère et ma soeur, parce qu'il ne faut pas chercher à pouvoir appartenir à une religion ou à quelque chose, parce que c'est cela aussi qui embrouille un peu les gens dans leur pensée, parce que le diable, il est tellement rusé, il a multiplié les religions. Il a multiplié effectivement des fois différentes, effectivement. Oui, c'est vrai, ça façonne effectivement dans ce monde et sur la terre, effectivement, surtout dans cette période dans laquelle nous nous trouvons. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il est toujours bon pour nous. Il a dit, ce sera tellement si près. Mais il avait raison et il a toujours raison. Parce que dans ces temps où nous sommes, mon frère et ma soeur, la séduction est tellement si grande que parfois les gens ne se rendent pas. Mais c'est vrai, mais tellement si grande et si forte encore davantage que si tu n'as pas vraiment Dieu, tu ne peux pas tenir. Regardez d'abord, comme vous allez voir effectivement comment c'est aussi. Dans les églises, effectivement, où ils chantent, où ils louent, c'est dans le nom du Seigneur. Regardez eux-mêmes la condition. Parce que pour voir effectivement, et c'est vrai, le frère Banham avait raison quand même, que Dieu le bénisse. Il dit, pour reconnaître la condition effectivement de l'Église, regardez les femmes.
Oui, c'est vrai. Regardez les femmes. Regardez-le, effectivement. C'est par les femmes, effectivement, qu'on se voit quelle est la qualité de l'esprit qui agit dans cette église en question. Et c'est vrai. C'est vrai. Regardez, les églises aujourd'hui, effectivement, et c'est aussi avec raison que la Bible dit clairement que le Seigneur, notre Sauveur, effectivement, il est dehors. Donc, il est dehors. En plus, c'est dehors, effectivement, c'est-à-dire qu'il dit, je suis à la porte et je frappe. C'est pas une illusion. C'est pas une chose, en fait, il peut dire, non, c'est la vérité. Parce qu'il est dehors. Les églises, aujourd'hui, mais ils sont vraiment comme le monde, comme le monde désire que les hommes soient et les femmes soient. Oui, c'est vrai. Il y a la musique, effectivement. Oui, la musique, c'est bon. Nous aimons. J'aime aussi la musique, c'est pas un problème. Mais il y a musique et musique. Comme la danse, par exemple. Il y a la danse et la danse. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que la part des choses soit. Il y a des choses saintes. Et des choses, effectivement, aussi souillées, infâmes. Et puis, voyez-vous que je pense que... Oui, je crois que... je crois que c'est une dame comme ça qui parlait. Et là, ça m'a touché dans ce qu'elle disait. J'ai entendu cela dit. Mais vous vous plaignez aujourd'hui. Il s'adressait, en fait, aux politiciens, tout ça, aux politiques qui prennent des décisions. Je dis, mais vous vous plaignez aujourd'hui en disant que, comme je pense qu'il y a une situation qui se passe aussi en France, là, on détruit tout. Vous vous plaignez que la génération, ils sont devenus délinquants, tout ça, vous dites, mais c'est aussi votre faute. C'est vous qui disiez, papa ne frappez pas les enfants. Quel est le résultat aujourd'hui? Vous récoltez ce que vous avez semé. Quand on donne l'éducation aux enfants, non, vous voulez leur donner des enfants, faciliter, et ceci et cela. Voici les résultats aujourd'hui. Eh bien oui. Aujourd'hui, vous avez tellement pris le mal et vous avez démontré que c'était le bien. C'est ce qu'elle disait. Eh bien oui, aujourd'hui, le mal est considéré comme le bien. J'ai entendu aujourd'hui qu'il y a une mode qui est sortie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne sais pas moi très bien. Si ça s'appelle la mode, le lait, qui est devenu en fait être apprécié. Parce que maintenant, il pensait que les gens, tout ce qui est lait, lait, ça dit L-A-I-D, hein, donc ce qui est, voilà l'expression, et c'est ce qu'on pousse les gens à apprécier aujourd'hui. Oui, c'est cela, en fait. Donc, ça veut dire que tout est renversé. Les valeurs sont renversées. Alors, quand vous regardez aussi dans l'église, on me dit, c'est plutôt aujourd'hui, en fait, les femmes qui dirigent les églises. Mais c'est l'esprit du temps. Vous n'avez pas remarqué très bien. Vous voyez, il y a vraiment ce changement qu'on appelle le changement de valeur. Aujourd'hui, ne cherche pas à avoir un problème avec une femme. Entendez-moi bien. Ne cherche pas d'avoir un problème avec une femme. Parce que quand tu vas aller au tribunal, tu as beau te poumonner à pouvoir donner des explications, sache déjà que les droits sont déjà donnés à la femme. C'est pour ça. Quand vous cherchez à vous marier, n'épousez pas n'importe quelle femme. C'est pour ça, quand vous sortez, je parle aux frères, c'est nos frères, ne regardez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Priez Dieu qui vous donne toujours ce qui est à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, vous avez des filles de Dieu qui écoutent la parole de Dieu. Quand on leur dit, femmes, soyez soumises à vos maris, dit Alléluia. Vous allez à l'extérieur, femmes, soyez soumises à vos maris, on vous poursuit. À l'intérieur, on glorifie Dieu. À l'extérieur, on vous poursuit. Ah ben oui. C'est parce qu'aujourd'hui, regardez vous-même, on ne peut pas faire un dessin, regardez vous-même, dans tout le gouvernement, même en Afrique. J'attends promotion de femmes, promotion de femmes. Vous savez, je n'ai rien contre. Je sais que beaucoup de gens nous écoutent et vont à la campagne, mais c'est peu importe ce qu'ils peuvent penser. Promotion. En fait, le problème, c'est que vous devez savoir, comme la Bible dit, vous n'avez pas besoin, vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive.
Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous fâcher quand je dis ceci. Vous comprenez pourquoi ceci, quand je dis promotion des femmes, parce que vous connaissez quand la place, Dieu vous aime. Mais vous comprenez ce qui se passe dans ce temps où nous sommes. Toutes les valeurs sont complètement renversées. Et toi, sœur, une fille d'Abraham, n'aie jamais un esprit masculin au-dedans de toi. Femme, ne prends jamais autorité sur ton mari. Peu importe qu'il ait fait, je ne sais pas moi, quoi. Parce que dans ce temps où nous vivons, c'est vraiment cet esprit-là qui est monté en flèche. Et si vous, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, vous pouvez observer qu'effectivement, que selon ce que les saintes Écritures nous avaient donc, et avaient donc prédit, qu'à la fin des temps, voilà effectivement l'attitude, comment ce serait ainsi de suite, et que nous voyons cela, alors nous voyons comment ça monte effectivement. Alors, toi, en tant qu'enfant de Dieu, pose, Seigneur mon Dieu, est-ce que ces caractéristiques se trouvent en moi? Est-ce que chaque fois, je sens que j'ai le droit de pouvoir quand même imposer ce que je veux? Parce que c'est comme cela que ça doit passer. Aujourd'hui, ce sont elles qui imposent. Les hommes deviennent maintenant là, parce que je vous l'ai dit, hein, vous allez au tribunal avec une femme, dites-vous déjà, préparez déjà ce que vous devez faire. S'il faut prendre une valise pour prendre vos affaires à la maison, ah oui, on vous... Non, c'est vrai. On ne vous donnera pas le droit. Vous ne devez pas aux hommes, hein. Donc, masculin. Le masculin. Donc, si toi, tu vas au tribunal avec une femme, quand on voit déjà femme, comme déjà on dit aujourd'hui, ils étaient tellement... maté, comme on dit. Mais maintenant, ils vont, ce sont maintenant pour mater les autres. Donc, toi, prie le Seigneur. Et je prie que Dieu accorde la grâce que nous puissions avoir de vraies sœurs. Parce qu'une vraie sœur, une fille d'Abraham, on prie que le Seigneur la protège, afin que cet esprit dans le monde aujourd'hui, qui sévit, effectivement. C'est pourquoi on doit prier. Regardez même nos enfants, nos jeunes filles, aujourd'hui. Que maman dise, ne sors pas pour aller à l'anniversaire de cela. Tu ne peux pas mal la tenir. Mais pourquoi? Parce que tout le monde va, effectivement. Mais en fait, le diable est en train de travailler. Déjà à partir, ça quand on atteint un certain âge, 15, 16 ans, on se croit qu'on est vraiment majeur. Oh, puis on s'est taraudé. Je ne sais pas comment parler. Vous, frères, vous, sœurs, qui êtes vraiment des vrais sœurs. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent être maman, mais qui n'aiment pas les enfants, qui n'éduquent pas comme il faut. Ne donnez pas de liberté. Si cela est ainsi, toi, frère, toi, sœur, vous êtes notre frère ou notre sœur. Quand vous vous sentez incapable de pouvoir vraiment conduire et gérer les enfants, venez ici, on va prier pour vous. Vous nous dites. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Alors, si vous n'arrivez pas, bon, Dieu m'aide, bah. Si vous n'arrivez pas à pouvoir les gérer, venez me les donner. Alors, si vous me les donnez, vous les oubliez. Que ce soit fille, que ce soit garçon, vous venez me les donner. Alors, moi, je vais bien travailler avec eux. Oui, mon frère. Parce que ce que vous ne savez pas faire, moi je vais le faire. Bon, j'ai dit ça entre parenthèses. C'est pour, j'ai dit entre parenthèses, nos frères et nos sœurs. Hein, pour que si vous avez la bonne, que vous voulez, vous dites, Seigneur, je veux mettre en conformité avec la parole, mais je n'y arrive pas. Alors on va vous aider. Ça va vous aider aussi à pouvoir vraiment vous accrocher au Seigneur. Parce que ces enfants, ils ont besoin de pouvoir comprendre ce qui est juste et ce qui est faux. Il faut qu'on agisse de la bonne manière. On prie que Dieu. Ah bon, bref. Vous n'avez pas besoin, frère. Je ne veux pas que les frères puissent dire, ah, le pasteur, j'ai donné un exemple. Oh, va nous prendre notre autorité. Gardez vos enfants sous vos autorités. J'ai donné un exemple pour ceux qui aiment. S'il dit, Seigneur, nous avons prié, on voit que ces enfants. C'est pour ça que vous m'amenez les enfants pour prier pour eux, non? C'est quand même une responsabilité
que j'ai de pouvoir quand même aider le peuple de Dieu, de pouvoir marcher, parce que c'est cela pourquoi je suis là. Pas pour vos applaudissements, je n'en ai pas besoin, je n'en demande même pas. Non, je dis la vérité, parce que je vais dire que je suis. Non, c'est ce que vous devenez meilleur. Que Dieu arrive à pouvoir vous apprécier. Dans, quand comme il me dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Ou as-tu remarqué ma servante-elle? C'est donc pourquoi la parole vous est prêchée. En fait, faites abstraction à ce que vous voulez penser que les gens vont vous dire. Non, moi, je vous dis ce qu'ils veulent comprendre. C'est-à-dire que c'est pour que vous soyez meilleurs aux yeux de Dieu et que Dieu bénisse aussi votre postérité. Nous ne sommes pas là pour que votre postérité se perde. C'est pour ça qu'on vous dit ça, pas parce que je vais les prendre pour faire quoi avec. C'est pour votre bien. Enfin, je donne un exemple, hein, pour ne pas que ça montre, oh, on va commencer à prendre le nôtre. Pardon. C'est un exemple que je donnais, je n'ai pas dit, non, c'est un exemple. Mais Dieu conduit ceux qui sont à lui. Il n'y a pas de problème. Parce que parfois, vous savez, les choses rentrent dans la tête, comme ça, votre, ah, les pasteurs, je ne demande rien. Mais c'est pour que vous puissiez vous conformer. Parce que le monde, aujourd'hui, il faut regarder très bien, vos enfants s'élèvent devant vous, vous prennent autorité. Oui, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas normal. Que ton fils que tu as mis au monde, qui se redresse devant toi, dit non. Et puis il se dit non, je m'en vais, je n'ai rien à faire ici. Il ne peut pas te dire ça. Amen, non. Amen. L'enfant doit connaître parce qu'il a ramassé quelque chose de mauvais dehors. Amen. Alors si Dieu nous a donné aussi des dons pour prier, pour chasser les démons, bien sûr, on va rester avec lui jusqu'à ce que les démons s'en aillent. Amen. Ce que vous ne savez pas faire, nous on peut le faire. Et pour cela, il faut aimer Dieu. Mais c'est. J'élève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel, non? Et comment est-ce que le Seigneur va aussi t'aider? Il peut utiliser quelqu'un. Je ne vais pas tenir mon enfant, dit bon, amène-les à tel endroit. Je te donne un exemple. Bon. Ah, prenez pas toujours mal. Regardez. Regardez Anne, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Anne a fait quand il a eu son bébé, effectivement, il n'a pas voulu le garder. Hein. Ah, il dit, en tout cas, ce bébé ici, j'ai souffert, mais il y a une chose que je sais, qu'il y a un endroit où je peux le mettre. C'est dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui s'est occupé de lui. Samuel, donc, dont on parle. Samuel. Il est venu le prophète, Samuel. Il a appris donc les choses à l'endroit là. On s'est trouvé effectivement et on lui apprenait. Quand il ne savait pas, il entendait la voix qui dit, mais il vient, il dit, mais tu m'as appelé, il dit, et puis il comprend, parce que maman n'allait pas comprendre. Mais il dit, ah, j'ai compris, qu'est-ce qui se passe. Quand tu entendras la voix, dit, Seigneur, parle car ton serviteur, hein, écoute. C'est comme ça que les choses ont commencé. Donc ne pensez pas que on veut vous priver de votre. Non. Puisque il y a l'amour de Dieu aussi dans nos cœurs. Pour vous et pour vos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils finissent comme ceux de dehors. Alors, nous mettons toujours en commun. C'est ce que nous lisons toujours. Ils étaient tous ensemble et ils mettaient tout en commun. Donc, nos enfants aussi. Parce que l'impolitesse commence à monter un degré. Ils sont ici tout doux, mais quand vous êtes à la maison, ils vous ouvrent les yeux comme ça. Oui, qu'est-ce que tu crois, maman? Qu'est-ce que tu crois, papa? Ah non! Non, ce ne sont pas les enfants de rue. Les nôtres sont les enfants que nous devons éduquer. Alors, on doit éduquer. On les éduque pas selon les pamphlets, non, selon la parole, selon l'écriture. Alors là, parents, et si nous travaillons en conformité avec la parole de Dieu, je ne pense pas que vous aurez des problèmes. Ah oui, c'est cela effectivement que nous voulons. Revenons de l'écriture. Verset 5, verset 1, il dit ceci. Donc, vous, pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Et là, nous comprenons qu'effectivement, que le Seigneur ne s'adresse pas aux cyclistes. On dit effectivement, les églises telles, effectivement. Non, c'est important que nous comprenions cela. Il s'adresse à toi en tant que fils et fille de Dieu.
Pour que tu comprennes qu'effectivement, que le Seigneur ne peut pas te laisser ainsi comme ça. Parce qu'il a dit effectivement que mon peuple à moi, ce peuple, c'est celui qui a fait alliance avec lui, ne sera plus jamais dans la confusion. Il ne peut pas être comme ça, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il doit savoir. Donc je l'instruis, je l'apprends effectivement. Il dit dans tous les domaines, Dieu a toujours cherché à pouvoir instruire son peuple. En fait, qu'il ne soit pas comme si c'était un peuple qui ne sait pas tellement très bien où il va. Parce que nous savons très bien que la Bible nous fait savoir qu'effectivement, qu'il appelle ses brebis par leur propre nom. Donc, s'il t'appelait toi par ton nom, la Bible dit qu'il sort effectivement lui et il marche devant elle. Donc, tu ne peux pas t'égarer et avoir la confusion d'un esprit. Parce que quand quelque chose qui vient, quand tu ne sais pas, quand tu viens dans ta maison, il te parle. Il dit voilà ce qui se passe. Mais c'est normal parce que tu es un fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Les autres ne pourront pas supporter. Mais toi, tu vas supporter. Oui. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrit parce que vous savez vous-même. Il écrit en plein dame là. Il dit que quand vous savez vous-même, quelqu'un. Vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendront comme un voleur dans la nuit. Pourquoi? Et ça, peut-être dans les religions, dans ceci et cela, c'est pour que vous puissiez comprendre que Dieu n'est pas dans les églises. N'oubliez jamais cela. Dieu ne sera jamais dans les églises. Dieu est toujours dans sa parole. Et quand vous et moi, nous gardons sa parole, alors là, il est donc avec nous. Et lorsque nous nous rassemblons, alors c'est pour ça qu'il dit que qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes. C'est ça en fait, c'est que Dieu étant donc en nous, effectivement, nous nous sentons les uns les autres beaucoup plus proches. L'amour de Dieu qui est dans mon frère et l'amour de Dieu qui est en moi nous ramène toujours à pouvoir nous sentir. Tout le monde peut lire effectivement en se disant, oui, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les gens peuvent lire. Mais toi qui es un fils de Dieu, Dieu t'a ouvert l'oreille et aussi donné aussi l'entendement par les enseignements que lui-même nous a donnés. Vous direz, parce qu'il a dit, libère les enseignements maintenant, ils seront tous enseigner de Dieu. Parce que quand un enseignement vous est donné, vous n'êtes pas de ceux qui sont, vous allez dire, amenant suivant l'émotion. Non, pas du tout. Vous suivez les Écritures. Vous voulez voir si ces choses-là sont conformes aux Saintes Écritures. Parce que quelqu'un peut venir avec ses explications, ses inspirations qui viennent de ses où, avec tout un tas d'émotions, effectivement aussi, parce que nous sommes des humains. Mais il faut qu'on vérifie si cela est conforme aux Saintes Écritures. Si cela est conforme à ce que les prophètes, et aussi, comme la Bible dit, les apôtres ont prêché. Vous connaissez, non? C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit toujours, il a répété, il disait, mais j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné. Maintenant, vous remarquez, il vous déploie cela pour que vous puissiez avoir l'assurance. C'est que dans la nuit où il fut donc livré, vous vous souvenez? Il prit donc du pain, mais il n'était pas là, lui. Cette nuit-là, Paul n'était pas là. Mais c'est quand le Seigneur est venu vers Paul, qui lui a maintenant ouvert le Dieu, lui a instruit, c'est vrai. Mais ceux qui étaient là, c'était qui? C'était Pierre et les autres. Il a même dit qu'ils sont vus comme des colonnes. Donc, effectivement, que le Seigneur lui a aussi enseigné, lui révélant ce qu'il avait montré, effectivement, à ses disciples, lorsqu'il était sur la terre avec eux. Vous comprenez cela? C'est comme cela que même, c'est, si vous remarquez très bien comment Dieu est conforme, effectivement, aussi dans sa manière de pouvoir faire les choses, il a instruit ses disciples lui-même, visible. Ils entendaient les paroles de sa bouche, effectivement. Ils avaient l'assurance que ça venait du Seigneur parce qu'ils l'entendaient de sa bouche. Mais le Seigneur est mort, il est ressuscité, il est parti. Mais Paul est venu après. Paul devait quand même avoir l'assurance tout de même aussi. Est-ce que vous vous souvenez?
Mais il était d'abord sûr, effectivement, parce que le Seigneur lui est apparu. Il est allé dans le Damas, effectivement, donc pour aller, effectivement, dans le désert d'Arabie, effectivement, vous connaissez cela, effectivement. Il a été avec le manuscrit, effectivement. Mais regardez très bien, toujours dans Galates, effectivement, si nous disons, il a dit quoi? Il a été à différents endroits, il a prêché la parole de Dieu avec démonstration. Oui, vous connaissez, non? Pendant des années, il nous dit, 14 ans après. Il dit, ce fut donc par une révélation que Dieu me conduit à monter à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Parce que Dieu voulait quand même qu'il soit rassuré au-dedans de lui. Que ce que toi tu prêches, c'est aussi ce que j'ai donné aux autres de pouvoir prêcher. Tu n'étais pas là. C'est pour ça qu'il dit, mais je suis mort. Vous connaissez l'écriture, non? Montez à ceux qui furent apôtres avant moi. Je leur ai exposé l'évangile que moi je prêche. Pour qu'ils voient si cela est conforme. Il dit, ils ne m'imposaient rien parce qu'ils trouvaient que c'est la même chose. Que c'est même Jésus qui les a enseignés. C'est vraiment le même Jésus qui t'a enseigné. Parce que ce qu'il nous avait dit, tu n'étais pas là. Mais quand tu enseignes, c'est exactement cela. Effectivement. C'est pour ça qu'il lui donna la main d'association. Ils lui imposèrent absolument rien. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Et c'est d'ailleurs l'apôtre Pierre lui-même qui rend témoignage de la connaissance, l'excellence de la connaissance que Dieu a donnée à Paul. Dans ses écrits, effectivement, aussi. C'est pour dire qu'effectivement, que le Seigneur, par sa parole, effectivement, instruit, oui, ses propres enfants. Et pour que, dans la marche avec Dieu, que nous ne puissions pas être surpris, que nous puissions chaque fois nous souvenir, effectivement, comme l'apôtre Paul dit, souvenez-vous de ce que... Je crois que c'est dans la Pierre, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, c'est cela, je pense, Pierre. Il nous rappelle toujours cela, il dit ceci, pour que nous puissions dire. Verset 2, d'abord je n'ai pas verset 1, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Vous comprenez cela? Donc effectivement que et le Seigneur a fait aussi la promesse que le Saint-Esprit nous rappellera toutes ces choses, et nous s'enseignera, et nous rappellera et puis nous conduira. Oui, c'est écrit. Vous vous souvenez, non? Il nous conduira, effectivement. Ce qui veut dire que d'abord, c'est important que nous comprenions cela, c'est que nous ne venons pas dans l'Assemblée comme on vient par habitude. On vient parce qu'on veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur, quelque chose qui doit m'aider, en fait. Je vais quitter ce monde. Il y a des choses que je ne sais pas. Et il y a des choses qui se passent, je ne comprends pas tellement très bien. Seigneur, aide-moi. Quand tu viens comme ça, il va te donner. Tu vas recevoir. C'est-à-dire que tu veux venir, tu apprends pour que quand tu sors, que tu sois plus fort. Les gens du monde seront saisis par les mauvais esprits qui agissent dans ce temps ici. Mais toi, tu ne pourras pas être saisi. Parce que quand tu vois, tu dis, ouh, c'est ça que le Seigneur m'a prévenu. Donc, je ne vais pas rentrer dans le train-train de ce monde. Je dois être à l'écart parce que je ne suis pas comme les autres. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça, ne venez pas simplement dire, bon, je viens pour faire plaisir. Non, ça ne sert à rien de faire plaisir. C'est pour ton âme à toi. Donc, Dieu veut que tu quittes ce monde. Parce que ce n'est pas ta place, effectivement. Nous l'avons entendu, je crois que c'est dans ma prière. Il dit, mais je m'en vais vous préparer une heure. Ma soeur, mon frère, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, le Seigneur t'a fait à toi la promesse qu'il y a une place pour toi et laquelle tu vas chercher sur la terre à voir, puisque Dieu a déjà préparé une place pour toi. C'est ceux qui ne savent pas où ils vont effectivement, ils vont aller, qui commencent à voir se battre pour ici-bas. Mais c'est vrai. Pourquoi tu te battrais pour les choses d'ici-bas? Il y a toujours une parole qui nous a toujours dit, et ça, ce qui est. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'abord ça, ce que je veux arriver à pouvoir
je veux être sûr et certain que vraiment, j'ai vraiment une place qui me réservait là-bas de l'autre côté. Je veux me battre pour cela. Je veux être sûr et certain que j'ai une place là-bas de l'autre côté. Après, je me battrai pour les diplômes. Ah oui, parce que les diplômes, il va me les donner. À quoi ça me sert d'être des diplômes, effectivement, avec des être experts, des experts, si mon âme n'a pas de place. Alors, quand mon âme a une place, je peux être expert, docteur des docteurs, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est pour un temps. Est-ce que vous comprenez qu'on ne change pas la position et la valeur des choses, effectivement? On nous a dit dans les Saintes Écritures, vous me suivez, vous avez tout pleinement en lui. Donc si je l'ai d'abord, les diplômes vont suivre. Le travail va suivre. Et n'est-ce pas? Le mariage va. Je ne me tracasse même pas. Et je dois toujours me souvenir de mon frère. Adam. Il ne se souciait pas de quoi que ce soit, si ce n'est que de ce que Dieu voulait. Alors si moi aussi, je suis une fille de Dieu, un fils de Dieu, plus de tracas. Mais Dieu nous enseigne cela, mais c'est difficile à appliquer. C'est difficile à appliquer. Vous savez pourquoi c'est difficile à appliquer? Mais c'est simple à pouvoir savoir, parce que nous sommes toujours charnels. L'homme spirituel juge de tout. Il est au-dessus de tout. Il sait que ça, je vais l'avoir. Je ne sais pas, frère et sœur. J'ai quand même raconté un témoignage, mais qui est à longtemps. Parce que ça me revient encore avec mon frère Jean-Jacques. Il m'a appelé hier pour me dire que vraiment, il a mis sa vie tout en ordre. Il a tout. Il a été. Et il était dans des difficultés. J'ai rendu pas de problème. C'est mon grand. Vous savez, ses frères, non? C'est ses frères, effectivement, qui étaient dans un lien. Les sœurs hein, qui étaient ici comprennent cela. Et quand je lui ai parlé, parce qu'il était là, il vivait, il dit, quand je lui ai parlé, il dit, mais c'est pas conforme aux Saintes Écritures, la manière dont tu es à pouvoir faire, comment tu as commencé ceci, c'est cela. Lui, c'est en Afrique, un peu là-bas. Il a entendu, il m'a dit, mais c'est pas comme ça que tu peux servir Dieu. Et l'engagement dans lequel tu es, c'est pas conforme aux Saintes Écritures, puisque tu n'es pas encore allé plus loin, tu peux stopper la chose et corriger le manœuvre. Vous savez sa réaction, non? Il dit, puisque tu m'as dit, parce que conforme sans écriture, j'arrête tout. Mais il y avait la famille derrière. Et il m'avait écrit il y a quelques jours, ça a dit, prie pour moi, parce qu'ici, c'est qu'il exprimait quand il dit, mais ces gens ici, ils ont tellement bu le vin de l'impudicité du monde. Ils se sont enivrés. Ils ne veulent pas me lâcher. Mais il a dit, à cause de la parole de Dieu. Il a pris position, il s'en est séparé, effectivement. Et c'est avec lui, effectivement, qu'il a vécu aussi des grandes choses avec moi ici, quand il était encore ici, en Belgique, effectivement. Quand il était parti avec moi, il savait, effectivement, il m'avait montré un appareil, je voulais dire raconter ce témoignage, et cet appareil, une marque précise, mais parce que c'était pour acheter les prédications, je ne voulais pas jouer autre chose. Il m'a dit, c'est la meilleure des marques. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère Jean-Jacques, si Dieu le permet, ce même genre d'appareil, effectivement, il m'accordera la grâce de l'avoir. Je suis parti. Vous vous souvenez, non? J'ai dit cela, j'étais à l'université à ce moment-là, et il y avait une soeur, effectivement, c'était chez eux qu'on devait aller pouvoir y voir, effectivement, pour les examens. J'étais dans la famille, effectivement, les parents étaient là. Je suis rentré, on avait le syllabus, j'ai ouvert le syllabus, on étudiait. Tout d'un coup, la présence du Seigneur vient, dit, lève-toi et pars d'ici. J'ai dit, mon sauveur béni, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ces gens? Que je suis venu, j'ai ouvert le syllabus, je n'ai même pas étudié. J'ai dit que j'étais venu pour étudier avec l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je ne fais qu'obéir, j'obéis. Je ferme mon syllabus, je sors, je me mets devant la porte. J'ai dit, mais Seigneur, maintenant, je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Ici, il y a une rue là, en face. Et où est-ce que je dois aller? Dis-moi où je peux aller. Pas de voix. Mais c'est comme si quelqu'un te prend, et te bouge comme ça, te tourne dans ses sens, et on te pousse d'aller. Et je continue à aller, je continue à aller. Et puis j'arrive à un endroit, c'est comme si on prend ma tête, on fait comme ça.
Et je tourne en disant, je dis là devant, il y a un carton. Et j'ouvre le carton, exactement le même appareil, la même marque que j'avais dit à Frère Jean. Il a vécu, c'est pour ça qu'il est respectueux, il est obéissant. Quand je lui dis quelque chose, il sait que c'est Dieu qui veut que je le fasse. Jusqu'en Afrique maintenant, après d'années, il est toujours obéissant à ce que je lui dis. Parce qu'il a vécu des moments tout à fait extraordinaires dans sa vie. Et c'est comme ça que j'ai pris donc là-bas. C'est pour dire qu'effectivement que non, parce que je disais cet exemple, il dit que notre Seigneur, notre Dieu, il va prendre soin de toi dans tout le moindre détail. Toi, cherche d'abord à pouvoir dire, mais mon âme, parce qu'un jour, on devra quitter, peu importe tous ces gens qui disent, oh, on va faire des médecines et on va vous garder longtemps. Non, ce corps doit mourir. Mais si ce corps le tient là, tu meurs aujourd'hui. Tu ne peux pas ignorer, la mort est là. Même tout cela, les diables les ont aveuglés, vous allez vivre. Ils croient que demain, ils vivront toujours. Non, demain, ils vont dans un cercueil. Ça, ils ne veulent pas leur dire, effectivement, pour qu'ils puissent avoir peur. Mais non, demain, le cercueil est là. Mais toi-même, si on parle de cercueil, tu n'en as pas peur. Regarde la grâce de Dieu, mon frère. Si tu as peur du cercueil, c'est que tu as un problème. Viens, on va t'aider, on va prier avec toi. Pour avoir ce Jésus qui t'a déjà fait sortir du cercueil. Parce qu'un chrétien ne meurt point. Et ça, c'est la vérité 100%. Il n'y a aucune science qui peut te la donner. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Nous ne mourrons point. Aïe, 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 aïe. C'est quand même extraordinaire. Il y a des choses qui doivent me faire sauter au plafond. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné ça dans ma vie. Alors qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des multimilliardaires, qui ont des milliards, même ils dorment sur le matelas des milliards de dollars. Ils ne peuvent même pas voir ce que vous avez. Vous avez, il dit, nous sommes riches, nous enrichissons beaucoup, mais quand on regarde, nous sommes pauvres. Pour avoir 200 euros, on gratte. Il dit, mais c'est des frères, est-ce que tu vas t'inquiéter? Oui, bien sûr. Mais ils dorment sur ce matelas-là. Ils en ont tellement, tellement beaucoup qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Mais ça vient toujours. Eh bien, nous ne cherchons pas ça. Nous cherchons les mecs plus ultra, c'est-à-dire le meilleur. Que Dieu nous aide à comprendre les bonnes choses. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en équive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les autres peuvent le lire. Ils vont donner des interprétations, tout ça. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ton père, il t'a déjà tellement instruit dans les choses qui le concernent. Ton niveau à toi. Dans les domaines spirituels. Mais pas comme le niveau d'un enfant de l'école primaire qui est dans la dénomination. En fait, la dénomination, c'est comme l'école maternelle. On joue encore avec les bacs à sable. Avec ceci, on fait des petits balles comme ça. On fait des... Vous êtes arrivé au niveau de l'université. Vous voyez la différence? Donc vous, on peut vous donner les calculs infinitésimales. C'est une façon de parler. Hein. Ceux qui ont fait l'économie comprennent ce que ça veut dire. C'est pas cette façon de parler. Parce que si tu prends les calculs infinitésimales, vous allez donner ça à l'école maternelle. Les enfants vont perdre la tête. Mais vous, au niveau où vous êtes arrivé, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir aujourd'hui, par exemple, dire, je m'appelle Giacomo, j'ai fait sortir une mode que tout le monde doit suivre et que demain on vous voit aussi dans la ligne avec, et avec Jamie Giacomo. Tu dis, toi Giacomo, tu es, c'est ce que tu suis. Tu as cette mode-là, ça vient des démons. Ce que tu cherches, effectivement, c'est simplement dénuder les femmes et faire en sorte que les femmes soient les hommes soient les femmes, ce que tu cherches. Et moi, je vais être là-dedans. Non, garde ton show. Bien sûr. On ne peut plus t'influencer. Tu es influencé. C'est que tu n'as. Pendant tout ce temps que Dieu t'instruit, tu as dit, Seigneur, je vais rester à l'école maternelle.
toujours jouer dans les bacs à sable. Il n'y a pas de problème. Hein. On te laissera dans les bacs à sable. C'est pour ça qu'il dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez. Et la vérité, plus de bac à sable. Hein? Non. On est au niveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des exemples que je donne, mon frère. Parce que toi, tu ne peux pas aller à l'église catholique, tendre la langue pour qu'on te mette l'hostie dessus, quand même. Tu as le niveau universitaire. Amen. Mais à l'école maternelle, oui. Dominus Obiscum. Ah, oh. On est materne là-dedans. Mais toi, tu ne peux pas te materner. Tu es un fils. Tu es une fille. C'est sûr. De Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il nous dit, nous continuons rapidement. Ah, dans quelques minutes, je m'arrête. Il nous dit, merci Seigneur, dit. Verset 3, vous connaissez, je vais dire verset 4, il dit, mais vous, vos frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un. Est-ce que vous connaissez l'Écriture, non? Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière. Et vous avez remarqué ce que la Bible dit un peu plus en bas, Isaïe, hein? Regardez bien, je crois que c'est centre. Regardez très bien pour qu'on puisse voir, regardez bien. Isaïe 60. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Isaïe 60, il dit, verset 1. Lève-toi, sois donc éclairé, car ta lumière arrive, la tienne, hein? Et la gloire de l'Éternel se lève. Maintenant, voici verset 2, il dit quoi? Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, mais sur toi, l'Éternel. Donc, dans les ténèbres, ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas comprendre. Mais toi, tu n'es pas dans les ténèbres. C'est ça ce que la Bible dit. Il dit, mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Parce que la lumière a lui pour toi. Nous marchions dans la lumière, pas dans la ténèbre. C'est pour ça qu'il faut garder cette parole. Oui, monsieur, oui, madame. Quand vous prenez ce qu'on appelle des interprétations de ceci et ne pas garder cette parole qui est la lumière, bien sûr que, vous connaissez les dire, la révélation de ta parole, elle est claire, n'est-ce pas vrai? Oui. Mais quand vous aimez simplement les interprétations, vous cherchez des docteurs qui peuvent vous donner tout ce qui vous plaît, effectivement, selon les désirs de vos oreilles, vous êtes dans les ténèbres. C'est normal qu'on voit que votre vie s'accorde toujours à la guitare du monde. Quand le monde donne le ton avec son solo du monde, vous dansez avec. Parce que vous êtes dans les ténèbres. Et soyez sûr et certain qu'en étant là-dedans, même si tu chantes, même si tu fais nanana, quand ce jour viendra, tu n'y seras pas. Ça va te surprendre, en fait. C'est ce qui va se passer avec beaucoup de ceux qu'aujourd'hui qui se prétendent. Nous sommes la grande église. Nous sommes ceci et cela. Ah, Jésus revient, mais ils n'iront nulle part. Ça, je vous dis la vérité, ils n'iront nulle part. On peut leur démontrer effectivement dans les Saintes Écritures qu'ils n'iront nulle part. Ils se soient des centaines ou des millions, ils n'iront nulle part. D'ailleurs, si, pour quand même un peu lumière, ils disent quoi? Que Jésus revient. Maintenant, la question de pouvoir savoir quel est le Jésus qui vient. Si c'est le Jésus de la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui va revenir. Il n'y a pas un autre. N'est-ce pas vrai? Qui va revenir. Il n'y a pas un autre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais c'est Jésus de la Bible en question qui va revenir.
quand on regarde toutes ces églises, effectivement, qui disent qu'ils attendent vers l'avenir, mais on remarque effectivement que c'est Jésus, la Bible, que nous prions, que nous servons, qui est notre Seigneur, il dit lui-même que je suis dehors. Bon, s'il est dehors, comment vous qui êtes dedans, dans votre gestion de vos choses, hein, dans la, parce que quand tu parles effectivement de cela, effectivement, ça veut dire que ce que vous avez, ce que vous êtes, ce n'est pas compatible avec lui. Mais c'est pour ça que vous ne le voulez pas. Il est dehors. Comment vas-tu venir te chercher? Qu'il va partir avec nous. D'abord, quand il dit, parce que quand même, on le répète quand même beaucoup plus souvent, on le dit ici, je crois que ça va partout, parce que ce n'est pas pour vous simplement que la parole est prêchée ici. Donc, il y a beaucoup de frères et de sœurs de différents endroits qui écoutent. C'est pour ça que j'ai dit, bon, ne montez pas la chocotine, si ça ne vous plaît pas, les autres, ça leur plaît. Parce qu'ils en... Oui, c'est 100% vrai ce que je vous dis, c'est 100% vrai. Et parce que les témoignages viennent toujours, régulièrement. Oui, c'est vrai. Parce qu'eux, ils remercient les seigneurs pour cela. Mais vous, ça vous... C'est simplement parce que Scarbeck n'est pas là, vous pouvez venir en train, mais vous restez un peu ici, mais vous vous ennuyez. Mais eux, ils sont tellement loin, hein, mais ils ne s'ennuient pas. Parce qu'ils savent ce que Dieu fait en réalité. Donc, ce qui veut dire que quand la parole de Dieu t'est dit, la parole de Dieu quand même, c'est Jésus lui-même. On ne peut pas faire la différence entre Jésus et la parole. Les religieux, oui, ils pensent comme ça qu'il y a deux personnes. Donc Jésus et la parole sont deux personnes différentes. J'aime Jésus, mais je n'aime pas beaucoup la parole, mais néanmoins j'ai Jésus. C'est ça, non? C'est d'abord, il y a une confusion énorme, effectivement, en mettant Dieu le Père et Dieu le Fils, effectivement. Donc, il nous scindait déjà la chose. Donc, vous comprenez, effectivement. Donc, effectivement, pour eux, s'il dit, moi, si j'ai Jésus, comme ils disent, effectivement, bon, la parole, je n'ai pas de problème. Donc, quand la parole vient chez toi, il te dit, voilà ce que moi je veux, et que toi, tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. Alors, dites-moi, quel est donc ce Jésus qui peut venir te chercher? C'est 100% vrai. Tu le dis à voix basse, mais c'est la vérité. Je suis d'accord avec toi à 100%. Parce qu'ici, vous avez entendu partout où je vais. Hein, c'est par ici que ça a commencé à pouvoir démontrer qu'il y a plusieurs Jésus. C'est dans cet endroit. Bien sûr que c'est la vérité. Ici, là. Que le Seigneur nous a montré qu'il y a plusieurs Jésus. Les gens disent, c'est pas possible, comment ça peut nous dire comme ça? Mais plus tard, quand on a continué la Sainte Écriture, on a vu que chaque dénomination a son Jésus. Ben, si c'était le même Jésus que nous avons tous, ben, nous serons ensemble, unis, et nous considérons ceci comme étant notre... Ah, voilà, que Dieu vous bénisse. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a notre absolu? Parce que c'est Jésus sous la forme écrite. Mais ça, c'est notre Père qui nous a instruit ça. Les autres ne savent rien. Quand ils prennent la Bible, effectivement, ils veulent leur faire dire, il ne faut pas me faire la dire ce que la Bible n'a pas dit. Parce que cette Bible, c'est Jésus lui-même. Son nom est... Alors, ceci est quoi? Alors, vous comprenez? Mon peuple ne sera plus jamais de là. Voilà pourquoi vous vous conformez au Seigneur là-dedans. On dit, oh, la Bible dit, moi, tu sais, moi, le Seigneur connaît mon cœur. Non. C'est le Seigneur qui connaît, c'est celui-là qui te parle ici, dans la Bible, là. Il dit, mon fils, ma fille, voilà ce que je veux. Je te veux irrépréhensible. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour ça que je te donne la parole qui doit sanctifier les pas. Aïe. Ta parole est. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux ce soir. Ce soir encore, nous voulons te dire merci pour la bonté que tu nous témoignes. Oui, Père, nous t'aimons, Seigneur. Puissions encore davantage nous aider à pouvoir nous accrocher à toi, à pouvoir te servir, ô notre Dieu. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point et jamais, Seigneur. Nous voulons vraiment nous conformer à toi. Nous te remercions, Père Saint-Dieu, parce que dans ce temps où nous sommes, tu nous as vraiment ouvert vraiment les yeux, Père.
de pouvoir voir, Père Tout-Puissant-Dieu, ce que tu as eu à pouvoir vraiment annoncer d'avance, Père Saint-Dieu, afin que nous ne soyons pas, Père Tout-Puissant-Dieu, avec le monde, Père Saint-Dieu, avec les religions, Père Saint-Dieu, parce qu'il n'y a aucune religion qui peut sauver. Les religieux, Père Tout-Puissant-Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas être des religieux, ni suivre des religions, Père Saint-Dieu. Nous voulons suivre ta lumière. Nous voulons te suivre, toi, parce que tu es la lumière du monde, mon sauveur. Toi qui nous as appelés à sortir, Père Tout-Puissant-Dieu, tu te tiens au devant de nous, Père Saint-Dieu. Nous voulons te suivre. C'est vrai, nous traversons des moments difficiles. Comme toi, tu as été rejeté. Nous serons rejetés parce qu'on te suit aussi, Père Saint-Dieu. Tu as dit, et nous voulons persévérer avec toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Garde mes frères et mes sœurs, ceux qui sont en connexion, ceux qui sont dans les îles, partout dans différents endroits, bénémoine, Père Tout-Puissant-Dieu, dans tout le pays où ils sont, c'est ton peuple à toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu as dit qu'ils étaient alors très peu nombreux, bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous t'implorons la grâce, mon roi. Soutiens-nous et fortifie-nous encore. Merci pour ce moment béni que tu nous donnes encore, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous en voulons encore davantage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que nous sentons que ta venue est tellement si proche. Et la pression s'est fait encore ressentir encore davantage, mon roi. Réveille-nous encore davantage au milieu de la nuit pour prier, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, nous voulons vraiment avoir ces veillées de nuit, Père Saint-Dieu. Nous voulons te chercher, mon roi. Chercher de tout notre cœur, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le temps, Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père Tout-Puissant. Ne laissez pas apaisantir, Père Tout-Puissant, par le souci de la vie, bénémoine, Père Tout-Puissant. De quoi nous mangerons, de quoi nous serons vêtus. Tout cela, Père Tout-Puissant, Dieu. Seigneur, aide-nous, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment, Père Saint-Dieu, échapper à tout cela, Père Saint-Dieu. Aide ton peuple, mon roi. Que ta bénédiction et ta paix nous soient accordées. Garde ton peuple, Père Saint-Dieu, qui s'accroche à toi. Protège-les. Tu vois combien le monde, Père Tout-Puissant, les démons les poursuivent, Père Saint-Dieu, pour pouvoir les décourager, Père Dieu. Mais que ton peuple soit fortifié. Parce que ce qui nous attend est plus grand, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ce qui est au-devant de nous est tellement plus grand, mon roi. Nous entrons dans une phase tout à fait particulière, mon sauveur. Soutiens-nous, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu as dit qu'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas, mon roi. Louange et honneur à toi. Garde tes fidèles, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, malgré les difficultés, Père, protège-les. Oh, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, mon roi. Pardonne-nous, Père, et soutiens-nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il a fait, il m'a libéré. Il a pu affranchir les péchés. Chose impossible pour tout humain, pas danger d'esclave du péché. Il a fait, il m'a libéré, lui seul a pris ma franchise. Du péché, personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi contre tous humains, et par la foi, je suis sanctifié. Justifié par l'offrande de Jésus, et je suis plein enfant du royaume, libre d'entrer dans les lieux très saints, et de rituels plus de sang. Chose impossible pour tout humain, par un danger d'esclave du péché, il a fait.